salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uwa wanda suke kallon mu a fadin duniya mun gaishe ku daya bayan daya saboda wannan shirin da ta kama hanyanta ta ke ci gaba da tafiya fiye da wata guda shirin da muke kira hasken addini wa kuma ce lumiyar da islam muna gode muku da kuke kira muku ke rubuto mana kuma wannan da neke da watum, manyamu, malamamu, su ustaza, su shek, da da su su sauran duka muna tare da su kamar professor ubara Zak da kuma imam adam goni da sauran duka da kuke kuka insha allahu ni sunana muhammad mai muryar arewa yau za mu yi magana ne akan yadda ya cancanta mutum ya tafiyartar da kudi a insha Allah Me haifun ma bandera larobe men ha an goni 400 duniya dan be yanda ha dash? Ee, tv ko kuma dash e, info Insha sha Allah hande don yautan ko larini wato no hani juldo wato joga cede wala bo jo cede wala bo yari tabana on lari imbe bana riba wala dum pat wala no watta lumo je -andere -andere hande no hande dina insha Allah hande bo min do ban bana min wowi ni mon be wato professeur ubaraza ko kuma mi wiya khalifa insha Allah na ofere mako min don bo imam me adam goni inshama Allah mi hofni bandirabi, amin ko kularin safana finance inshama Allah safana finance in wani dinarbe maɓato alamunye inshama Allah gaman an ko jirgin kulani e, ya ditta wato kulani wato islama kulani cede amin inshama Allah Salut à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, à toute la famille, la famille des Lumières de l'Islam. Vous savez, cette émission Lumières de l'Islam qui éclaire partout dans le monde entier. Je remercie tous ceux qui nous écrivent dans, sur la page d'Ash et ceux qui nous regardent à travers notre streaming d'Ash Media. Cette émission qui est en train de faire son bout de chemin, Inch'Allah. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec euh, ces spécialistes, ou bien je vais dire les consultants prémonants. Et professeur Oubarazak et les autres aujourd'hui nous allons parler de l'importance de finance, de la finance islamique vous savez les musulmans ont dit ces finance islamique dans les banques comment faire le riba ou bien les, il y a beaucoup de choses ou bien dans les affaires de nos business nous les musulmans il y a comment ou ce que dieu a dit comment le faire inshallah aujourd'hui nous allons comprendre inshallah je vous salue et je vous reviens Masha'Allah, Masha'Allah, euh, je suis accompagné à ma gauche, euh, toujours comme d'habitude avec euh, notre consultant, il est le consultant de l'espiritualité en islam, le professeur ubaraza Khalifa pour l'organisation islamique mondiale pour la paix et contre le terrorisme. Quelqu'un m'a demandé comment ça, je veux que vous nous expliquiez en 30 secondes quand on parle, on parle de Khalifa. <laughs> Merci beaucoup mon cher Kautal. merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment bien précis. Et merci de m'avoir donné cette question. Je suis Khalifa, c'est-à-dire le représentant de l'organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Et contre le terrorisme, cela veut dire que à travers l'islam, nous exhortons les uns et les autres à la bonne compréhension de l'islam. Parce que les terroristes, ceux qui ont eu à faire la terreur, ont pris pour l'islam comme un chemin de terrorisme. Ils ont utilisé des vexés coraniques, ils ont utilisé des langages islamiques afin de perpétrer les désordres dans la surface terrestre. Donc actuellement, nous sommes en train de reconstituer tout cela en donnant à nos milliards ou millions de téléspectateurs, le vrai sens même de l'islam qui veut dire la paix, la soumission, le respect de la dignité de l'homme. Voilà l'islam. Merci, mashaAllah. Mm -hmm. Et à ma droite, j'ai l'imam Adam Goni, Barkamoudwar l'imam na sha Allah yau za mu kasance kuma tare za mu magana a kan wato yadda ya cancanta mu tafiyatar da mu. na aminshi Allah. insha Allah. daga wani zanon alifurari samun di la'alci kuranik da lasamin abin limam adam insha Allah limam adam ga haɗaka karanta mana insha Allah yadda ya yi cancanta insha Allah إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وأملوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ Oui, à nous expliquer parce que nous parlons de l'importance des finances islamiques. Exactement. Quelle est l'importance Parce que avant la c'est de cette jour. Voilà, écoutons. Oui, non. Voilà, déjà avec ces samedis, on doit parler du temps parce que c'est une sourate que Dieu, le Tout Puissant, a révélée au Messager de Dieu, le Prophète Mohammed. Le de Dieu soit Asri, c'est-à-dire le temps, le siècle. Mm -hmm. Dieu nous jure, et dit Bismillahir Rahmanir rahim il, il dit au nom de Dieu le clément et le tout miséricordieux. Il dit Certes, avec le temps, l'être humain est en déphasage, en perdition. C'est-à-dire, avec le temps, il y a beaucoup de phénomènes qui, propulse ou qui pousse l'être humain à sortir du droit chemin, beaucoup de phénomènes, beaucoup de nouveautés, beaucoup de ambitions qui poussent l'être humain à s'oublier soi-même, à sortir du chemin de la droiture, à oublier même le Créateur. Et Dieu nous dit il lesine à nous. Il dit ceux qui seront vraiment préservés du châtiment. Sauf ceux, ou ceux -là qui ont cru, qui ont cru à Dieu, c'est-à-dire qui ont cru que Dieu est le maître créateur, qui ont cru que tôt ou tard nous allons retourner à Dieu pour être, n'est-ce pas, interrogés sur nos actes du, de, de, du bien comme du mal. Parce que nous, êtres humains, nous sommes éternels. C'est le corps physique là qui disparaît, qui meurt. Mais l'âme, ce qui fait que vous m'écoutez, je parle, vous me comprenez, c'est ça qui est l'âme, c'est ça qui est qui serait retiré et c'est ça qui serait jugé. C'est comme n'est-ce pas un disque dur mm -hmm. de l'ordinateur mm -hmm. On peut retirer le disque, disque dur, mais, mais l'ordinateur reste, reste de... donc. Et ça serait interrogé tout ce qu'on a fait du bien comme du mal. Dieu nous demandera. Il dit il à donc ceux-là qui ont cru, ceux qui ont fait du bien, qui ont fait la bonté, qui n'ont pas fait du mal à autrui, qui n'ont pas tué, comme on parle du terrorisme, là. les gens qui tuent au nom de l'islam, ils seront interrogés parce que Dieu leur demandera pourquoi vous avez tué tel. Ceux qui volent, hein, Dieu leur demandera. Donc il faut faire du bien comme on parlera de la finance islamique. islamique. Il faut faire mmh. du bien. Donc, et ceux-là... N'est-ce pas? Qui qui qui, qui, qui sont qui, qui se recommandent mutuellement la vérité. Vous comprenez? bilhak et Et ceux-là qui, qui se recommandent mutuellement, n'est-ce pas? Dans la patience, dans l'endurance. Donc l'homme musulman doit être patient, tolérant, endurant et persévérant. Voilà ce que le premier verset Merci. nous a dit. Mais nous allons entrer dans le verset mais typiquement qui parle de la finance, la finance islamique. islamique. Mm -hmm. Thomas Charles, avant d'entrer typiquement euh, sur le thème de l'importance de la finance islamique, je veux encore une fois de plus, Imam Adam Goni, aller encore une fois de plus sur la Samadhi et nous la lecture, nous lire encore la sourate Bismillah. On lit le surat mm -hmm. Oui. Bismillah. اللذيني. بسم الله الرحمن الرحيم يا اي ان <applause> الذين يا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس نعم <applause> ذلك بانهم قالوا انما الْبَيْءُ مثل الربا <applause> <applause>

Ceux qui pratiquent des l'usu se livrent au jour de la résurrection comme un convulsionnaire possédé par le démon. Donc vous comprenez, l'usu est très dangereux. Comme un convulsionnaire qui se livre, qui, qui, qui est possédé par le démon. Non, il dit, il dit, Allah nous dit dans le Coran, il dit, et cela parce qu'il assimile l'usure à une vente. Donc vous comprenez, l'islam interdit catégoriquement l'usure, c'est-à-dire la vente de l'argent, parce que c'est un péché. Même sur le plan de la juridiction, sur le plan pénal, n'est-ce pas, c'est interdit. Vous voyez déjà le Coran. L'a interdit même avant, avant que, n'est-ce pas, les lois modernes puissent l'interdire. Donc il dit Fa mau izatun, min rabihi, fa Falahu ma salaf, wa Amruhu ilallah, wa man ada, fa oula ika asra bunar hum fira khalidun. Donc Allah, n'est-ce pas, il a permis, n'est-ce pas, il a permis l'avant, mais il a interdit l'usure. Il dit, celui qui avertit par Allah, ce sera cette pratique, n'aura pas à rendre compte du, du passé de son sort. C'est-à-dire celui qui faisait bien avant, parce qu'au temps du prophète, il y avait ceux qui faisaient, mais lorsque Dieu a révélé cela au prophète, bon, Allah leur a pardonné ceux qui étaient dans ces genre d'activité. Donc il n'aura pas de compte à rendre à Allah. Donc il dit, celui... Qui récidivera, qui récidivera, donc c'est-à-dire un, récid, un, un récidiviste, celui qui après cela revient encore, celui-là sera voué au feu, au feu éternel. Donc vous comprenez, c'est très interdit, n'est-ce pas, l'usure en Islam. Donc nous viendrons, oui. n'est-ce pas, au plan, au niveau de la finance islamique, de la banque islamique. Pourquoi? On ne prélève pas des intérêts, des intérêts tout cela. Justement. Mm. La question, j'ai une question, la professeur Oubarazak. Euh, cette question, tout à l'heure, euh, c'est sur Dewar, mm. qui dit le temps. Mm. C'est quel temps, on parle de quel temps Merci le beaucoup, temps. mon cher Kautal, parce que quand, quand Dieu jure avec le temps, vous savez, l'être humain vit entre l'espace et le temps. L'espace et le temps. Lorsque nous passons. Dans notre espace, le temps. Et nous vieillissons, nous grandissons et nous mourons. Donc, à chaque temps passé, ce temps ne revient pas. Donc, on veut qu'à à chaque temps qui passe, l'homme fasse des actes positifs, des actes de bien. Et Dieu nous dit Wal Asri, donc, avec le temps de, pré de, de crépuscule, le temps Asri, comme en ce moment, vous voyez d'ici 18 heures. Il ne reste peu oui. et après c'est la, la nuit. Donc on est comme à un temps final, donc il faut faire tout et tout pour vraiment être avant que la fin de la soirée n'arrive que l'homme ait commis des actes n'est-ce pas positifs et que même si vous avez offensé un de vos frères qu'avant que Asri ne soit entré dans Maghrib vous puissiez avoir n'est-ce pas le temps même de demander pardon et une Répentance vis-à-vis d'Allah Subhan subhanahu wa ta'ala. Mm. Quels sont, alors, quand vous parlez de ça, euh, professeur, les bonnes, ou bien je vais dire, quelles sont les bonnes oeuvres ou bien les bonnes choses à faire à l'islam Bien sûr, Parce sait, que quand Kepa. on parle, voilà, mm. on peut avoir de l'argent, mais quelles mm. sont les bonnes choses à faire <laughs> C'est ça, c'est ça que Allah nous dit, « Ilal lazina amanu wa amilu salihat mm. » comme le chef oui, vient de oui, l'Eli, oui, « oui, oui. wa salihat »« Faites de bonnes actions » vous pouvez construire une télé pareille, ce oui. sont de bonnes actions. Oui. Parce que déjà à travers cette chaîne de télé, nous sommes en train de, 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 de parler du vrai sang de l'islam. Or avant, il n'y avait pas d'autres pouvaient prendre l'islam comme terrorisme. Oui. Ils lisaient les vexés, ils dit Allah a dit de tuer ». Pourtant nulle part, nulle part. Allah n'a pas interdit aux humains de tuer un être humain comme soi-même. Oui. Il y a une injustice. Donc vous voyez, construire les hôpitaux, ce sont des bonnes œuvres. Construire des, des, des mosquées dans des endroits où il n'y en a pas. Des, des écoles. Mosquées. Oui, des écoles. Des foyers, des centres. Voilà, des centres culturels. Et aider les nécessités. Ouais. Aider les nécessités. Nos enfants qu'on trouve dans le rue. dans Exactement. Les... Voilà. Donc c'est ça que Allah nous dit. Donc, faites les bonnes actions qui soient infiniment petit ou infiniment grand, Allah nous donnera la rétribution de tout ce que nous aurons commis. Même dire bonjour en souriant le matin à un voisin, c'est une très bonne action pour le musulman. C'est pour ces raisons que lorsqu'on se lève, on dit Assalamu alaykum, avec le sourire, pas oui. bah, que ton frère musulman doit dire Assalamu alaykum, tu frustres la face et c'est un péché. Et Dieu te demandera que pourquoi celui-là t'a dit que la paix soit avec toi. Tu as frustré la face. J'ai une autre oui. question qui va toucher euh, cet homme de séjour l'importance des finances en islam, mm -hmm. euh, islamiquement. Parce que euh, vous, vous, vous nous avez dit faut faire des œuvres, des bonnes choses, des écoles, du centre, ainsi de suite. Mm -hmm. Mais nous, les musulmans, on nous interdit de prendre de l'argent. C'est un banque dont de l'argent, après, derrière ça, il y a de l'argent. Quand on vous dit tel pourcentage pour mm -hmm. payer tout ça. Là. Mm -hmm. Et, et, et c'est quand on peut faire tout ça sans mm -hmm. argent? Et bien sûr, mon cher Kautel. il y a ceux qui n'ont pas euh, l'obligation d'aller faire des empreintes bancaires. Hein? Il y a ceux qui vont travailler. C'est pour ça que Allah nous dit, il faut, n'est-ce pas, céder mutuellement. Il faut être véridique entre vous. Ce qu'on peut avoir besoin, je vois, le, le imam Goni, chèque, je de lui demande, j'ai besoin d'un million. Mm -hmm. Si là, il me donne, vous comprenez, c'est c'est un c mon frère. Mm -hmm. Parce que nous tous, les musulmans, nous sommes des frères. Même les non-musulmans, mm -hmm. les mm -hmm. êtres humains sont sacrés. Mm -hmm. Je peux lui demander, je veux un million, il me donne, je fais mes affaires et je viens lui rembourser. Il peut me dire, bon. Sans intérêt. Sans intérêt. Mm -hmm. Donc, c'est ça, la banque islamique. Hein? Donc, maintenant, au lieu de dire, on peut faire une institution comme une coopérative, hein? comme euh, une coopérative, oui. comme euh, euh, l'épargne. Oui. Hein? Il apporte son argent, j'apporte le mien. Hein? On fait une institution pour aider ceux-là qui ont des projets. Hein? Pour les aider. Et lorsqu'ils auront un projet, on les aide. Et sans intérêt. Mm -hmm. Donc, ce qui est interdit à l'islam, comme le Coran a parlé de l'Izou, il ne faudrait pas que peut-être l'imam me donne peut-être un million, mm -hmm. et il me dit que bon, les un million là vont produire par mois telle somme. Mm? Ou bien il me dit je te donne un million et chaque mois tu dois me rembourser peut-être 120 000. Mm -hmm. hein? Donc par mois, ça, ça, comme on dit, ça produit mm -hmm. ou oui. ça accouche. Oui. Donc c'est l'usure là qu'on ne veut oui. pas parce que l'islam a interdit même la loi pénale actuellement. Peut-être c'est pour ça qu'on constate aujourd'hui que les différents banques ont ses côtés de la finance islamique. Nous Bien. allons revenir. Bon, je voudrais que, si Dieu le veut, les gens qui ya besoin de l'aide de l'adam puissent aller Mais Naam, wa salatu wasu salamu ala rasulillah wa la'alihi wa ashabihi wa man bi biya ahunbe isanin din rabbi shirahli sadri wa siri amri wa halul mil lissani ya fi ga wa bad. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to gaskiya yadda ya cancanta musulmi ya aiwatar da kudinsa hanya ne diewa a dunkule za Wato, kaman kudi na riba wanda muke magana a kai, kaman ayan da ɗazu, ja Malami na ya fasar a yeah. uh, harcen Faransa, yeah. to zan dawo da harcen Hausa. Mm. Allah ya ce, "La ta akulun riba afan mu da'afa." Yeah. Wanda na ya ce, "Allah zina ya na riba, mm. to wa'in fa suke cin wato kudin riba." La ya umuna ba za su taba kiyama. Illa kama ya komo mullazi ya ta habbaɓu shaiɗanu mas za su tashi ne kamar wato mutum iska ya buge shi shaiɗan wato ya buge shi ya fadi yadda yake farfaɗiya da sauransu haka zai tashi ranar gobe kiyama. A wani waje kuma yake cewa fa’in lam taf'alu shi ma cikin ne? Ya ce idan Yeah. kamar mutumin ya dauki makami ne wato yana yeah. fada da Allah da manzonsa. Mm -hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam. To duk kuma abubuwan da muke yi a duniya in ma ka ce kisan kai in ma ka ce cin zali in ma ka ce cin mutuncin mutum in ma me To ranar gobe kiyama yana da tambaya guda daya to dukiya yana da tambaya guda biyu in ka kashe mutum ka zo gaban Allah Allah zai ce me ka kashe shi. sai <ihaz> ka ba da hujja in <violin> ba hujja ka je wuta in kana da hujja ka fada a ji kuma ba inda za ka samu hujja ce ka ɗauki ka kashe musulmi ko wani ba musulmi ba in ma mutum ya kashe mutum wato musulunci ana kashe shi ni da kai da malami na profesori ba mu yi samun kashe mutum ba a islamance sai dai mu kama mu je mu mika yaje ya kashe to amma maganan dukiya da aka zo kansa allah zai kai ya ka sai ka okay. fada za a maka okay. lissafi kuma daga dala ɗaya a yanzu zaman mu na idan aka okay. ce mana yanzu daga juma'an da ya wuce can zuwa yau ya aka okay. samu kudi muka okay. yi cefanin gida ya aka okay. muka kashe su ba mu samu fada ba karbira na nawa muka saka motocinmu da baburanmu ba mu samu fada ba to haka a ranar gobe kiyama za a kama ka daga dala ɗaya har zuwa iya adadin kudin da ka tara a tambaye ka yanzu daga baya sai kuma sake zuwa tambaya na biyu ya kai ka aikatar da shi ya kai kabatar da wannan kudin. to idan aka zo wannan wajen to na gina masallaci na yi kaza na yi kaza to a cikin suratul, suratul, suratul haƙa Allah yake cewa wato masu kuɗi za su zo gaban Allah suna cewa ma a annimaliya maliya hmm. yanzu duk dukiyar da na tara na taimaka marayu na gina masallatai duk yanzu bai amfani ba yau zaɓani tafina da hannun hagu wuta zan shiga sarakai sai su ce halaka an ne hmm. duk ikon da yi a cikin mulkinmu mun yi adalci mun ƙafa masallace a cikin fada mun yanka shari'a maganan aure da sauransu mun yi daidai amma duk da haka yau za mu zo sakamakon mu wuta ku targadar <muchas> da wuyan wuyan mutanen fagulluhu ku targadar da wayan. sun maljahima kuma salluhu ga wutan jihannama ku wurga su sun mafi silsilatin zar'u hasabu zira'an fasluku <muchas> a ciki wato akwai wato sarka mai zira'a har zuwa saba'in a nan naɗe su da shi to kaga wannan duka me <muchas> yake kawa Allah ya ce inna hu kana la yu'minu billahi lazim su fa ba su yadda da cewa fa Allah da girman nan yana nan ba to idan malami ya zo ya zanna gaban ka ya ce maka an kai abu ka fa wuta zaka shiga an kai abu ka za aljanna zaka shiga ba magana ne ra'ayinsa ko kuma na son zuciyarsa ya faɗa maka ba abu ne wanda ya gani a cikin littafi ya karanta a littafin da yake gaban malam ai ba shi ya rubuta da hannun shi ba littafi ne allah ne fada annabi ne fada ya karanta ne a karance ilmin shi ne ya kai ya zanna yana bayani a kai ya zo ya gaya maka abu ka ka ce a'a ban yadda da shi ba Nous allons aller à Yaoundé. Et nous allons aller prendre en direct notre correspondant qui est à Mané de Debusi du côté de l'espiritualité. Qu'est-ce qui peut nous ajouter Allons, on revient Assalamu alaikum la grande famille de l'émission Lumière de l'Islam. Alors, euh, tout à fait, nous sommes en train de parler sur euh, la finance, euh, de la question de la finance islamique. Alors, euh, du côté de Yaoundé, euh, il se peut qu'il y a quelques banques islamiques qui financent les projets des jeunes, surtout en vacances, par exemple. Il y a des jeunes qui sont dans euh, les petits commerces et ils font des projets, ils montrent des projets, ils déposent souvent dans des, des petites banques islamiques et ensuite on les finance. Là, c'est une, une question de confiance, une question, n'est-ce pas, de... De promouvoir également le développement dans ce sens-là. On comprend que euh, la religion islamique n'est pas très rattachée, n'est-ce pas, à, à, à la spéculation, n'est pas très rattachée également à, à des imaginations, mais elle est tellement pratique, des que qu'elle aide les jeunes à se développer davantage. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le chômage a atteint un taux et il faut donc diminuer ce taux. Et ça, c'est la question fondamentale l'islam parce que il se peut que quand un jeune n'a rien à faire il va faire quelque chose par exemple il va peut-être aller voler cambrioler etc donc financer euh, les banques islamiques financent des projets des jeunes c'est très important et on doit comprendre que c'est une idée du développement aussi dans ce sens là alors je suis votre correspondant haman de buzi en direct de yaoundé Machallah, notre correspondant, est Amman Debuzi, en direct de Yaoundé. Merci. Mignetima, Amman Debuzi. Professeur, vous avez écouté Amman Debuzi de, de l'autre côté de Yaoundé. Il a dit quelque chose parce que la jeunesse d'aujourd'hui peut avoir des idées à créer des, des affaires. Mais pour financer, ils ont peur d'aller vers les banques qui ils vont, ils vont prendre peut-être un million et ils vont rembourser derrière. Mais la banque islamique peut les aider? Bien sûr. Mais ouais. peut-être il ne communique pas comme il faut. C'est pour ça que ce genre d'émission est là, pour les appeler aussi souvent à venir et nous expliquer. Donc, je voulais avant d'expliquer que le chèque oui chute parce qu'il il dit des choses très importantes. Oui, avant de chuter, je veux que vous, vous entrez souvent un peu dans le... Oui, oui, donc que c est, c est, ces réponses, vraiment, ça doit nous permettre de mieux... D'accord, mais a un chèque. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِذَةٌ مِّنْ ربه فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ ومن فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ خالدون نعم القرآن yeah. Allah a permis la vente, mais il a interdit l'usure. Celui qui avertit pas Allah, ce sera cette pratique n'aura pas à rendre compte du passé de son sort. Son sort relèvera désormais d'Allah. Celui qui récidive, celui-là sera voué au feu de l'Éternel. Donc, nous parlons de ses intérêts, comme vous avez parlé. Donc, le jeûne ici. Nous on les autres mm -hmm. parce que même l'argent que la banque islamique ou bien la banque islamique peut octroyer pour une affaire, il y a une codification des affaires mm -hmm. parce que on ne peut pas donner à quelqu'un de l'argent pour aller ouvrir un snack-bar, mm -hmm. une maison d'alcool, mm -hmm. vous comprenez? ou bien une charcuterie mm -hmm. où on vend la viande du porc, mm -hmm. ou bien un centre pornographique. Oui. Vous comprenez mm -hmm. Donc, c'est codifié. Donc, on peut vous donner de l'argent, peut-être pour un commerce, et, ou bien pour une activité immobilière. Donc, lorsque on donne cet argent différemment de la banque classique, mm -hmm. dans la banque islamique, vous donnez de l'argent et cet argent, vous remboursez sans intérêt. Et vous pouvez me poser la question que comment ces banques vivent Parce que il y a du personnel, il y a tout cela. Hein? Je, je vous reviens, professeur, parce qu'il est temps, parce qu'on m'a fait signe que nous avons nos téléspectateurs qui ont des questions à nous poser. Oui, on peut aller le prendre, on revient derrière. Mm -hmm. muje mu mojemo mu da baya masha Allah za mu je mu sa mojemoɗawkeso uh, assalamu aleykum warahmatullahi w bakatuu jamar dash wato lumière de l'islam islam komin biya islam mi homni jamare wato dash eh, media mi homni on fu modon mi homni mohamadou kautal mi honi wato huwoɓe radio dash on fu baɗo goto goto allah yarana min lumiér de l'islam ko kobo jangol islam ko kobo haske muslunti yesso yeso ha yesso allah so, kadi mi yiɗi ko wola ni hala wato

yawa nyamande bodo mari shardi bi adama to o ho an nyamande se uhu ho banda beddari halandiyam. ndiyam yawa bi hadi wato halandiyam, beddari wala to wari goddo hokki ma bare isti boru temere hokki ma yawa to to warti nyamo temere ma warti ta kodala ko dala to wari a jammi goddo hunde ha goddo bana boru temere yawa o bi to to ajumi warti arta boru boro temere be boru gotel to do kanjon jomira o boru ribabo. babo riba do mari dammuɗe cappan e je e tati buri ngal hoyugo ha dammuɗe riba banto goddo hosi wato dajirawa mudum yai ha suduka ba jeni be mako Aladunala riba dum masibo Allah do nali riba Allah na nali riba mai nami wato nyamo riba wala nali wato window ha la riba yawwa nyamo do be nyamo riba pat be pat mabbe Allah nalibe to riba dum masibo to kanjom riba on be da ha shari'a. En wala misalu bana hosu goce da ha banki do banki islami to bi to be data ce ni ko wani w, w, misalu aya hosi hosuje ha banki a ha fila ma mai nan dina be mai en wala misalu a hosi kredi to a hosin kredi tobi dana gota bedan hadu kwaho yadda a yara ta riba to warti riba Allah barka. gwani usain daidai bayan hakkile eh jama'alar rovio wala ya hillu da wa'an ya fa'ala dagata daga ta ɗobi adam ko irin moto balingi ne huwa kugal hatta ya alama hum allaha fi saito andiki ki ta allah kugal to kodi useni en kugal pa en huwa shari'a kala kugal halal halal on haram.

to hadi hunde do en, do, me, in in no en do en rena kalako huwata fu en huwa do sharia enɗafa riba riba dum masibon riba dum masibon alla nali riba ara, lani nyamo riba lani windo riba maiɗo lani do riba be jaɓuɗo riba fu pat allah nali ɓe tauaausaria enrnhakkioboɗɗume hakoni sharia en ha filata do babol kala dogodo filalo do, shi o hosa deftere ma ko yawo janga babul bai fi babul bai ko babul buyui babul choguro yawo janga kala sana ko godu wata wato dum do windi deftere mai don ya wad o do ha deftere o yawo janga ko bo jama modi be no on woni gam o senda halal be haram to godu do nyama haram Allah ida dina ma ko ma nyama ta halal haram, haram Allah jabata du'a mako illa la tayyibun la yakbalu illa tayyiban Allah do seni do o jabata illa ko na hunde seni de Allah jabata allah yiɗa hunde ko laati na seni ɗum kadi allah fo nden be hunde seni nde allah renu en be riba allah la fo nden ko laati ta allah yara mi wato lumiere de l'islam ko mi wiya dac new radio dac yeso yesso ha yesso allah huwoɓe yatu no mamadou kawta kala moddi be haurata ha ha radio dac ma ɗo ɓe finditee amin be yecca amin allah biya wiya annabijo allah biro allah barkiɗimɓe allah suddu sudduɓe asiri hukube sare aljanna

allah hukun jambe jam be joni jam hafidina fidina woni pat allah ittu fidina allah waddi joni jam ha duniya ɗum fuu maru to assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu min woni wiyeteɗo hamma aliyu ha duwale en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu amin summa amin baba amin na haali diga dowalayel ha region d' adama wa merci Masha allah o wajiko wi halar wolwi owal o wolwi widum ko a fota bezina amin Imam Adam goni? Nam, wasalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa habi wa manta biya bi ihsanin ila To To, ko mi mi biya hala ribado ko lari ribaɗo Allah walwai hanyar suratul bakara? Nam. min. kala mu waɗi imanu bi allawa andi alladin yi yite makudun o makudun waɗon biya ta’en nyama dala riba wadda ya fere allazina biya riba, la ya illa kama riba la ya komo na illa kama ya komo lalzai ya ta habba shaiɗan minal masu kala mu nyami dala je riba O to wallayi wala ko obi o, o ummata yande daragal ha su so Allah O umman bana gudun ginnaje mo ya ji wadon lara wadon do a umar do umma do ba ni man haye so Allah to mm haifar -hmm. fa, in lam, fa azanubi, harbi, mm -hmm. o wadon via fa’in lamtaf alufa a zanubi har bi min allahi wa rasulihi wabi kalamo nyami riba mo hokki hukki mo jaɓi O don no haɓɓa be Allah be annabijo mako Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. To ɓawo ɗo fayan ko mi yiɗi mi ɓedda ɗo ha hadis fere-fere juruwari. To ha hadis fere ɓe don viya dikka ma goɗɗo on jeena be dada mon. Ha a nyama dala riba ɗo. Nɗika goɗɗo be dada mon. To jotta be vidiri ba a haram Allah harmi ɗum to nani mi don nyama riba. Jotta tema Kenya bi hokki mi hokki miliyon didi. Mm -hmm. Hande be wartirta miliyon didi be reta. To noi mi wadata, jotta mi nani haram mi yiɗi mi darna dum, mi waɗa noi. Yimbe fere be don viya a hosa dala man a hokka sadaka waɗanna waɗata, waɗata. Inna alluha haɓayi la yaqbalu balu illa ɓayiba. Allah kam jaɓa Kala ko woni haram fu Allah jaɓa ta ke. A to wakati waɗa sadakana wakkati man o waddima be

Oui, salam alaykoum wa rahmatullahi barakatou. Moi, c'est M. Gambo Garbatanko, la Grinta, président de la Grinta. Oui, je viens auprès de vous, Excellence, votre honneur, savoir plus d'explications concernant la Banque islamique. J'aimerais savoir comment fonctionne la Banque islamique. Puisque la Banque islamique, telle que l'islam le dit, ne prend pas des surplus ou des rajouts. Et ne donne pas aussi de l'argent en attendant des rajouts. Donc, je me demande comment une banque islamique peut fonctionner tant qu'elle ne donne pas l'argent pour avoir plus. Ce revenu, quelle fonction là Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, j'aimerais avoir plus d'éclaircissements en, en, en concernant la banque islamique. Donc, je veux beaucoup de lumière, beaucoup, beaucoup de lumière. Comme et la lumière de l'islam qui se passe. Donc j'aimerais que tout se passe comme la lumière, comme ça éclaire. J'aimerais beaucoup d'éclaircissement. Merci. Machallah, pour cette question, je vous reviens eh là, Khalifa. Euh, mm -hmm. Professeur Oubar Azak, tout à l'heure, tu, tu voulais même parler de ça. Parce que moi, je me posais des questions, ces banques islamiques qui disent qu'ils ne prennent pas le riba, ou bien qu'ils ne... Bon, euh, comment ils fonctionnent Comment ils fonctionnent <laughs> Le salaire, l'allocation de l'espace, ainsi de suite, comment ils fonctionnent Quand ils te donnent 2 millions, ils veulent que tu ramènes que les 2 millions. Oui. <laughs> ça, ça c'est une bonne question. <laughs> okay. Merci bien vraiment à notre téléspectateur, il m'a même écrit hier. Merci, merci. Ouais. Non, la question <laughs> du téléspectateur est Très pertinente et oui. très, très bonne. Mm -hmm. Parce que arriba c'est-à-dire l'usure comme l'a dit Cheikh Imam Goni, mm -hmm. c'est très interdit parce que le prophète mohammed paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, mm -hmm. lorsqu'il a fait l'ascension, le, la, le voyage nocturne Nortune, mm -hmm. aller, n'est-ce pas, au septième ciel, mm -hmm. alors il a rencontré sur son chemin des gens couchés, le ventre était, n'est-ce pas, comme des montagnes, comme des maisons remplies. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'il demande à Malaika Djibril. Il dit Man ha Djibril. Il dit Là, ce sont les qui Et Djibril dit Wa ha oulai riba. Donc, mm -hmm. que là, ce sont les gens qui ont mangé, n'est-ce pas, l'usure. Parce que <laughs> le vent était plein, donc il y avait des vipères. C'était comme une maison pleine de vipères. Oui. Donc vous voyez, donc c'est très très dangereux. Donc nous revenons à la question du téléspectateur. La banque islamique, comme nous l'avions dit, c'est comme une coopérative, un groupe de personnes crédibles, selon leur honnêteté, selon leur degré de foi, et cette banque. Souvent, ces fonds proviennent des dons, hein, des dons, parce que dans l'islam, on demande de faire le don, le sadakat, c'est-à-dire aider. Vous comprenez, il y a aussi la zakat. Il y a souvent ce qu'on appelle mal, mm -hmm. c'est-à-dire une banque collective. Mm -hmm. Au lieu de garder l'argent peut-être à la mosquée ou à la maison, on crée maintenant une banque. Hein, on met cet argent dans cette banque. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ceux qui travaillent à l'intérieur sont des personnes qui ont juré avec engagement, foi et révérence, hein, qui vont servir pour Dieu. Et maintenant, au cours de l'année, il y a un budget qu'on alloue pour l'espace, pour les employés. Donc, il suffit que si on a peut-être une affaire, hein, on veut peut-être créer une école mm -hmm. ou un commerce, on dit, Cautal, tu dois amener 10 millions. Professeur, 10 millions ou 5 millions. Imam, euh, 5 millions ou 10 millions ou 20 millions. Tu vois, ensemble. Maintenant, dans cet argent, on dit, bon, les employés qui seront là, un budget, toucheront telle somme pendant un an. On retire leur somme. Vous comprenez mm -hmm. Donc maintenant, on lance le projet. Le le bénéfice qui sort de ce projet, oui. maintenant on se partage. Mais s'il y a perte, nous tous nous supportons la pêche. perte. Donc vous <laughs> comprenez Voilà la banque islamique. Et maintenant, le rôle de ça, c'est d'aider les nécessiteux, ceux-là qui ont peut-être un capital, parce que pour avoir un prêt il faut au moins le 25%, parce que tu ne peux pas venir, tu n'as rien, tu viens, tu demandes un prêt, donc il faut au moins 25%. Et il y a des experts qui vont juger ton projet. Est-ce que tu dois ouvrir une boîte de nuit? Est-ce que, ouais, ouais, il... est que tu dois créer une usine de veux fabrication faire... d'armement? Mm -hmm. Parce que tout cela, la banque islamique ne peut pas oui. te donner peut-être d'aller payer les fusils, les, les pistolets oui. pour aller pour tuer. Aller tuer oui. Donc, si c'est une usine peut-être de production de produits agroalimentaires, hein? ben maintenant, on met cet argent et ça produit. Maintenant, les bénéfices, tu vois, ce que l'usine a, produ a produit, mais pas ce que l'argent a produit. Oui. Comme on peut te donner 100 000 ou oh, 100 millions, on dit qu'après, tu dois rembourser peut-être... 120, 120 millions. Vous comprenez? Mais c'est la production. Maintenant, s'il y a bénéfice, on se partage le bénéfice. Voilà, le, la banque islamique. Oui, oui. On se base sur le bénéfice produit matériellement par l'entreprise et Ça, non par le produit, n'est-ce pas? Produit par, par, par le. Pas la somme d'argent. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas d'agio ni des intérêts. Mm -hmm. Donc, vous ne pouvez pas poser l'argent. On dit, bon, chaque mois, on vous prélève telle somme. Parce que si vous déposez l'argent à la banque classique, il y a ce qu'on appelle les agios. les agios. On retire peut-être telle somme. Et le jour que, peut-être par an, on peut vous donner les intérêts. Donc, tous ces intérêts qu'on vous donne dans des banques classiques, islamiquement, n'est pas acceptable. Donc, comme vous avez répondu à notre téléspectateur de tout à l'heure, président Gambo, vous avez dit le Sadaka de mm -hmm. certaines personnes, oui, oui. c'est eux qui viennent déposer à la Banque islamique. Exactement. C'est ça qu'on on vous donne et c'est ça qui les permet à, à payer leur Exactement. Les, le salaire entre eux. Mais c'est comme la Banque islamique de développement, l'habit. Vous publicité. voyez, c'est ça qui a Mais, même. Mm. Euh, pour contribuer à goudronner l'Arcelor Douala Yaoundé la Banque islamique de développement donc vous voyez mmh. ils peuvent donner l'argent au gouvernement camerounais mais après ils prend, ils perçoivent sans intérêt mmh. vous comprenez oui. donc c'est c'est pour ça que la lumière de l'islam est là vous pour vous cette comprenez? lumière je pense que les banques Cette émission est là, parce qu'il faut souvent memo Parce que même certains musulmans, même moi, shekonesi ba ku yi avala kuma voilà su izu za mu dawo in sha ma'alawo za zamu zo muyi magana a amma saura mana minti biyar sannan mu tafi muna so ka dan mana ƙarin bayani to present wato kalifa ya kai na ba abin da zan iya wato karawa kan maganan da ya faɗa nan sai dai wato zan iya bada shawara a kai e, kamar yanzu misali mutum ya zo yadda na faɗaɗa zuwa filatanci ina ga akwai diwa wanda ba su ji ba kamar ɗauki kuɗin riba ka bayar ka bada miliyon biyu akan dawo maka da miliyon biyu da jaka ɗari da biyar ko da jaka da to a yayin da mutum ya dauka ya kawo maka da baka sani ba kana ci kana sha yau malamai sun gaya maka cewa haramun ne to me mm -hmm. ya kamata kai sai ka tuba to wannan tuban da zaka yi ya zaka yi da wannan kudin idan aka kawo maka ka dauka kai sadaka ba za ka sadaka da shi ba za ka dauka ka cinye ne ba za ka ci ba domin ba halal ba ne to ya za ka yi da wannan to sai ka mayar a wanda ka dauka a wajensa wanda ya kawo maka wannan karin sai ka bar masa ya tafi wannan zai tafi saboda me yam haɓullahu riba wa yurbi sadaka no. zai zama yeah, no, no. to sadaka kamar kayi sadaka ne Allah zai rubuta maka ladan wannan to bayan wannan kuma zan kara magana daya a kai wato yana daura mutane dewa kai yanzu kama a ce an dauki kudi wato na marayu an kawo maka miliyan biyu ya yi shekara biyar ko zuwa shida a hannunka wannan kudin ka dauka kana ta juyawa kana ta juyawa ya shekara biyar zuwa goma miliyon biyu sai zo ya zama miliyon goma ya za ka yi da wannan kudin shin idan ka ɗauka ka ba su duka ya zama tori ba bai zama ba to shin wannan kudin ka raba da su ka yi daidai ba ka yi daidai ba shin idan wannan kudin ka ci wani abu a ciki ka yi daidai ba ka yi da wayan idan miliyon 1 ne kudin maraya aka ba ka shi nasu ne. Mm. Na marayu ne In ka ci dala ɗaya a ciki, mm. Allah zai kama ka kai Duk da cewa ba su baka saboda ka kasuwanci da shi ba, mm. an baka dai ajiya saboda kana da adalci. Kai ma kace nan yana zane banza to za mu yi mu cinye wannan kudin ko zai zama mu bazaranci za a iya batawa, ka saka shi a kasuwa to duk juya wanda ne. jotta kam mi giɗi nasta ɓe fulfulde wodi ko awi jotta la cede wato atimi en na no hani to mi a wol woni be fulfulde gam mi laaroɓe mene nam komi yiiɗi mi bedda ha do man be la fulfulde, fulfulde befumno nam -hmm. to naam to bana goɗo n o waddi cede je ja atimi o hokkima mm -hmm. to be hokkima million ɗiɗi mm -hmm. to million didi do bo jodi ha kontema bana duuɓi didi 39 bani mm -hmm. to cede man bo a ha lumo don turna turn mm. man don turna tefa wonde sedda sedda. to yake ati man be mauni be wari raklime go cede mabbe. to be ori be jaba cede mabbe man sai a cede man ba acci mon aci miliyon didi jo warti miliyon sappo to noy a wadata nyama nyama mahandir man na a fotai on senda be maɓe na ba. je mabbe wani nane ma hakku mabbe wani. To o ovi a nyaman daidai a nyamata, to ɗo to

Califa. Non, merci beaucoup Kautel, merci à tous nos milliards de téléspectateurs. Ce que Imam Goni a dit, faites attention même de manger les, les, les biens des orphelins parce que mmh. quelqu'un peut décéder, il laisse ses biens. Peut-être les oncles tournent, 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 ils ont des bénéfices. Tous ces bénéfices, au moment de la restitution, on doit restituer aux orphelins, aux orphelins. Sans pour autant retirer un franc dedans. Parce merci. que vous retirez un franc je vous condamnera nous allons revenir hum. inshallah ana maymatona shirara laraba de karfe hudu bayan sallan al-asr min donlor de shiraji do jamdi nay yande alarba on rediffuse cette émission mercredi à 16h je suis Mohamed Kautal, la voix du sahel merci